Quel est ce sujet vraiment gênant à aborder en couple, surtout au début d'une relation, mais qui est inévitable? Et qui gêne, j'oserais dire, principalement les femmes. Surtout. 50% des femmes en sont très, très gênées. Et c'est le secret pour les couples heureux, c'est de parler de son kikiel. Excusez-nous, bon appétit. Bon appétit. On n'ira pas dans le détail. Non. Déféquer, parler de ce... D'aller à la toilette. D'aller se vider l'intestin. Tu peux arrêter là. On veut pas d'autres synonymes. On a compris. Parler de ça avec son conjoint, ouais. Sa conjointe, ça rendrait le couple très heureux en parler, mais aussi, tu sais, genre, quand l'autre fait la chose, laisser la porte ouverte. Avoir vraiment cette intimité-là, all-in, là. La porte ouverte, je suis pas sûre que c'est nécessaire. Oh non, c'est un non catégorique. Voyons donc, toi. Non, mais il y en a qui sont à l'aise avec ça, là, oui. Mais pas moi. Non, moi non plus. Ça, non, moi un non, non, non. Non, puis c'est long. Tu sais, en début de relation, là, c'est long l'avant que tu te rendes à l'étape de. OK, je peux le faire, puis t'es dans la même maison que moi. Ben non, parce qu'on est parfait au début d'une relation. C'est clair, on sent c'est, bon. Moi, je me rappelle au tout début, là, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc évidemment, on en parle maintenant, nous autres aussi. Mais au tout début, j'étais parfaite. Je sentais la rose en clair. Tout temps. T'sais, ça m'arrivait pas. Moi, je faisais pas ça dans la vie. Tu faisais pas. Et à un moment donné, on s'est loué une chambre d'hôtel qui était magnifique. Mais il y avait eu la très bonne idée, les designers, de faire une salle de bain ouverte. Donc, du lit. Tu voyais si l'autre était sa... Oui. Non, non, mais mettons, t'es couché sur le lit, là, tu vois la petite tête de l'autre qui dépassait du demi-mur. Ah, j'étais comme, mais c'est quoi l'idée? T'sais, donc, pas besoin de te dire qu'il s'est pas passé grand-chose cette semaine-là. Oh, mais yeah. Ça a comme cassé quelque chose, ça a cassé une barrière qui était nécessaire, tu sais, à un moment donné. Clairement. Je te donnerai l'adresse si jamais ça tente. Non, vraiment pas. Nous, on est rendu à l'étape, on a nos petits signes aussi. Ah ben oui. Je vais le dire parce qu'il l'a déjà dit, Jean-François, j'ai un vague souvenir qu'il l'a déjà dit, mais moi, il me le dit quand il y a... Puis là, il me fait, regarde, Marie, j'ai des frissons sur les bras. Vous avez un code! Il y a un code! C'est fantastique! Toi, c'était pas une toune de John Mayer? Moi, quand je mets ma musique sur mon téléphone, pas pour moi, juste pour que ça fasse de la musique d'ambiance, pour que personne n'entende. C'est plus fantastique pareil. Mais en même temps, avoir un enfant aujourd'hui, j'ai ma petite de 3 ans et demi qui me regarde. Oh my God! On dirait que là, avec les enfants, t'as comme plus de barrière. Puis là, des fois, elle prend un livre. Puis là, elle lit son livre! En attendant, tu fais voir que c'est rendu ça ma vie. C'est naturel. Mais t'sais. C'est tellement naturel. Ben oui. On a les jours rouges ben oui. De parler de tout ça. C'est drôle, c'est comme si c'était un tabou quand même. Hein. On se sent comme gêné d'en parler, mais bon, ça fait partie de la vie. Ben là, surtout sachant maintenant que ça rend les couples heureux. Exactement. Ben, let's go, on en jase. Parlons-en. Hein. Rythme.